d'aller chercher du chrono. On avait un arbre qui nous gênait, on a appelé le bruitier pour nous ouvrir le chemin. Ah ben on fait pas du VTT de petites semaines, nous. Hein. Hein? Nous on est assisté par un gruitier. Je suis partout. Eh, c'était, tu te rappelles, c'était toujours Bruno qui disait il faudrait qu'on revienne ici pour. Je dis regarde nous. J'ai pas accompagné d'une grue. Pas besoin de tronçonneuse, nous. Il a un peu de mal à tirer. Ouais. Crois-tu? T'as trouvé la bonne prise? Ouais, le foutu, là, j'ai l'air. Tu vas là? Ouais. Merci, Jean-Pierre. Ouais, tiens, c'est avant, hein. Il est très bien, ce homme-là. Il va le débrancher. Parti. Tu vois pas la puissance des vérins hydrauliques là-dessus. Ah, ça coince un peu, regarde. Ouais. Un nœud. Tu crois qu'il en existe des plus grosses? Pour eux, sans doute. Enfin, ça crée... C'est pas un petit sapin de riz du tout, hein. C'est déjà du gros. Hein. En fait, il coupe seulement avec ça. Vous voyez ? Toutes les roues sur le côté, ouais, elles prennent bien le tronc, alors s'il est trop gros, elles sont trop hautes. Puis là, il y a la section où les roues sont encore. Là, ça va y aller. Bon, à la fin, il s'arrête plus le truc. Brrr. Un peu plus costaud que les arbres moyens. Je veux dire que c'est un gros... Oh, parce que quand ils en font des petits, c'est comme des allumettes. Hein. Ouais, il y a des arbres de prétend. Hein. Ouais. Regarde, au bout ici, c'est pareil. Là, ça va. Il faut pas tirer tout droit. Bon, à la fin, il va avoir du mal. À la fin, il va couper. Ouais. La tête, il va la laisser. Les amis, c'est l'heure de passer. Oh, mais merci.